Bonjour, Florence Liévin, je suis responsable environnement à la FNSA, Fédération nationale des syndicats de l'assainissement et de la maintenance industrielle. La FNSA est une entité qui regroupe à ce jour 6 syndicats de métiers, dont le SNEA, Syndicat national des entreprises des services d'hygiène et d'assainissement, que l'on appelle plus communément les vidangeurs. Nous avons présenté ce jour avec Anna Baranski-Hardy de l'AFNOR la révision de la norme NFEN 14654 partie 1 relative à l'entretien des canalisations à l'extérieur des bâtiments, que l'on appelle plus facilement la norme curage. Alors pourquoi la FNSA a souhaité intervenir sur ce sujet? Alors c'est principalement puisque en tant que représentant des vidangeurs, c'est une norme qui encadre nos métiers au quotidien et qui met en avant des points d'intérêt et notamment le choix de l'entrepreneur. Il est à noter que dans la norme sont mentionnés différents critères de sélection du prestataire, notamment les compétences de cet entrepreneur, et viennent ensuite le prix, la gestion des déchets et d'autres points qui sont bien évidemment d'intérêt. Pourquoi, du fait, nous sommes très attachés à cette norme? C'est parce qu'elle met en avant la mieux-disance. La mieux-disance, c'est avant tout la qualité. Qu'est-ce que l'on recherche? Une gestion patrimoniale, une gestion pérenne des réseaux d'assainissement sur le long terme. Et donc, cette norme est un outil qui permet d'y répondre efficacement. Et nous souhaitons, en fait, appeler l'ensemble des maîtres d'ouvrage, publics ou privés, à utiliser cet outil. Donc, nous espérons que la présentation faite ce jour vous permettra de mieux appréhender ce texte pour l'appliquer ensuite dans vos territoires. Cette interview a été réalisée dans le cadre d'une intervention. Retrouvez la webconférence en intégralité sur communauté.idéalconnaissance.com.